Si le vieux Samuel pouvait me voir aujourd'hui. Delilah redeviendra bientôt mortelle. Tu as laissé ta mère disparaître dans le néant. Sais-tu où repose la mienne? Elle est revivie dans un cercueil d'enfant, parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter un plus grand. Mon père, lui, gît dans la crypte impériale. Tu mens. Tu refuses encore de voir la vérité en face, ma petite. Par sa naissance, ton père était un moins que rien. J'habite le cœur de ta mère alors que mon corps foule le marbre de ton palais et dort dans ton lit. Karnaca m'a appris une chose importante. Un souverain ne mérite pas son trône s'il n'est pas prêt à faire couler le sang pour le garder. Nous nous retrouverons bientôt, Delilah. Et tu vas mourir. Regardez ce que j'ai. Ah, vous voulez des plantes d'armes plus puissantes? Il faut bien gagner sa vie, pas vrai? Thank you.
Vous le regretterez pas. J'allais voyons voir. J'ai des plans d'amélioration pour votre équipement. Faites gaffe à vous. Bienvenue. Entrez. Les bons clients sont toujours les bienvenus. Plaisir de vous revoir ici. On n'est jamais trop prudent avec toutes ces attaques. Un petit malin attaque les boutiques de contrebande. J'espère qu'on lui mettra la main dessus. Enfin, ou au-dessus, mais en gros c'est par là. Ça en fait des trucs à récupérer. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut quand même commercer avec lui. Donc on va juste prendre sa clé. Non mais... Voilà. J'ai repéré quelqu'un dessus. Votre heure a sonné. Elle ira nulle part. Fais voir ce que tu sais faire. Allez, finissons-en. Thank you.
putain de merde. C'est du poison. Merde, c'était quoi ça? Allez, jeter un coup d'œil. Hein? Au besoin. On aurait dit un bruit de verre cassé. Il y a quelque chose qui pue. Pour une fois, c'est pas moi.
J'ai vu le grand superviseur tomber. Tout est perdu. Il faut partir. L'abbaye a attaqué la tour? Nous avons été vaincus. Pas uniquement par les sorcières de Delilah et leurs cerbères, mais aussi par des hommes mécaniques, des automates de combat. La musique ancestrale n'avait aucun effet sur eux. Reprenez vos forces. Mais sachez que le règne de Delilah prendra fin aujourd'hui. J'en fais le serment. Aux portes de la mort, je sens la corruption du grand vide en vous. Ce sera donc un combat entre deux hérétiques. Quelle farce! Le monde est condamné. Ça doit être un coup de Delilah. Teinture de goudron et placenta de trouille, et du poudre d'un magenta exquis. Demain, tamisant et demain mélangeant, produisent les pigments et font taire les vents. Toi, chaché, bleu et rougi, font naître mes arcs-en-ciel à la symphonie. Ombre et nuances, creusant et craquant, sous le pilon accouche d'un noir pénétrant. Huit mains tamisant et huit mains mélangeant, produisent les pigments, font taire les vents. Toi, chaché, bleu et rougi, font naître mes arcs-en-ciel à son pinceau promis. Boue ancestrale et argile suintante, teinture jaune d'une air étincelante. Six mains tamisant et six mains mélangeant, produisent. Pigments et refaire, doigts tachés, chachés, bleus et rouges, font naître les arcs-en-ciel à son pinceau promis. Dans l'ammoniaque se noie le cuivre précieux, le bleu d'azur suscite des rêves scabreux. Quatre mains tamisant et quatre mains mélangeant, produisent des pigments et refaire, doigts tachés, bleus et rouges, font naître les arcs-en-ciel à son pinceau promis. Teinture de goudron et placenta de trou, réduit en poudre d'un magenta exquis. Demain, tamisant et demain mélangeant, produisent les pigments et font taire les vents. Doigts chachés, bleus et rougis, font naître mes arcs. Ne la laisserai pas sortir. Si je monte, je vous emporterai avec moi. Arrêtez-vous tout de suite!
Il y avait... Jetons un coup d'œil. J'avais tout le monde. Vous voyez ce que je vais faire? Je lance des lames dans la pensée. Comment vous préférez mourir? On verra dans le grand vide. Vous n'avez aucune chance. Tu maîtrises enfin la magie des Cerbères. C'est ça? Oui. Ces pauvres superviseurs morts m'ont gentiment légué leur précieux molosse. Et j'en ai ranimé toute une meute. Ils sont sous le pont. Peu de sorcières en France. Ont franchi les murs et t'ont éloigné de la dépouille de ta mère. Deux sont encore en vie. Delilah avoue une haine sans limite à ma mère. Je peux tout faire saigner.
Je vais devoir aller dans la salle de sécurité pour rétablir le courant dans la tour et remettre l'ascenseur en marche. Amusant de convertir la chapelle en atelier, de mélanger ses pigments là où ses imbéciles prêchaient leurs inepties. Mais elle est retournée dans la salle du trône pour commencer son nouveau tableau. C'est toujours un grand moment de l'avoir commencé une peinture ou une sculpture. C'est vrai, mais celle-là... Je peux prendre l'ascenseur pour atteindre Delilah dans la salle du trône. Le grand superviseur. Dans la salle du trône pour commencer son nouveau tableau. C'est toujours un grand moment de l'avoir commencé une peinture ou une sculpture. C'est vrai, mais celle-là... Je peux prendre l'ascenseur pour atteindre Delilah dans la salle du trône. Le grand superviseur. Tu ne retrouveras jamais ce que tu as perdu. Nous voilà dans ces lieux où j'ai joué toute mon enfance avec ma chère demi-sœur, cette menteuse de Jessamine. Où tu as été conçue et mise au monde. Où ta mère a été assassinée par Daud et sa bande de tueurs sans foi ni loi. Où nos deux vies ont été ruinées. Tu as une vision déformée du monde. J'ignore si tu dis la vérité ou non. Mais ça m'importe peu. Thank you.
Je vois l'état de la tour, ça me met hors de moi. Ça pourrait être n'importe quoi. Peut-être juste un renard, ou un chien errant. Ou pire, un meurtrier, par exemple. Me vernir les ongles avec toi. L'état de la tour, ça me met hors de moi. Elle accordera sa faveur quand elle verra que sa chair avec une poêle de chat et le cilia d'un noyer. Thank you.
message indique que l'une de mes machines l'a neutralisé. De diagnostic supplémentaire en plein milieu de la chapelle. Delilah travaille à une peinture très dangereuse, mais je devrais pouvoir la saboter. Ça a marché. J'ai peint la chapelle en prenant soin. Je devrais fabriquer d'autres runes corrompues pour saboter la peinture de Delilah. Du trône. J'ai réussi à intervertir la chapelle du tableau et la véritable chapelle. Avec d'autres runes, je devrais pouvoir faire de même avec l'Empire tout entier. Ce sera mon chef-d'œuvre ultime. La transposition de mon tableau. Le monde tel qu'il devrait être. Et de ce monde gangréné et pathétique. Enfin, tout sera tel que je l'ai rêvé et espéré. Opérations de routine. En communication de la détection de la
Je vais prendre l'ascenseur jusqu'à la salle du trône. Il y a une odeur de graisse brûlée dans l'air, ma sœur. Serait-ce notre maîtresse qui a réveillé les machines de nature? Les grondements du ventre des machines.
Je pensais que tu comprendrais, toi, mieux que quiconque. Durant les longues nuits passées au Hound Pit, ne rêvais-tu pas de reprendre cette couronne? Rappelle-toi qu'elle m'a été volée avant toi, avant même que tu viennes au monde. Les gens souffrent dans le monde entier, mais j'ai vu le jour sous une bonne étoile. Je sais que j'ai beaucoup de chance, Delila. Mais rien n'excuse tout le mal que tu as fait. Je devrais fabriquer d'autres runes corrompues pour saboter la peinture de Delila.
ramener et mourir par ma main. Ça y est, je suis sur les nerfs. Je vois des choses dans l'ombre. J'entends des bruits dans le vent. Chère Émilie, et vois comme je refaçonne tout ce qui existe. Je vais t'expliquer.
Après la mort du duc, un personnage de l'ombre a émergé des bas-fonds pour prendre sa place. Paolo était venu au monde sans un sou, et il comptait bien le quitter avec une montagne d'or. Les voies du pouvoir, comme celles du destin, sont parfois impénétrables. À Dunwall, Delilah Copperspoon a trouvé la mort, et son cercle a été anéanti, mettant fin à leur pathétique coup d'état. L'impératrice légitime a repris le trône qui était le sien. Surnommée Emily la Vengeresse, elle a fait exécuter tous ceux qui l'avaient trahi et a entrepris de régner sur son empire aux côtés de son père, le légendaire Corvo Atano. En son temps, Anton Sokolov a posé les jalons d'une révolution industrielle qui a changé l'empire à jamais. Il a vu ses machines servir la guerre et l'oppression pour permettre aux puissants d'écraser les plus faibles. Faisant ses adieux à Dunwall, il a rassemblé ses dernières forces et est parti pour le Nord glacial, laissant derrière lui les rêves brisés de l'homme qu'il n'a pas su être. Malgré tous nos efforts, certaines choses ne changent jamais. Certaines questions restent toujours en suspens. Alors que Megan Foster cessait d'exister, Bill Lurk a émergé dans son ombre, bien décidé à découvrir qui elle était vraiment et à retrouver la seule famille qu'elle ait jamais eue. We cower in